Club Génie Civil a été créé en 1991 par des professeurs et des étudiants de la faculté de génie civil, accrédité par la sous-direction des activités culturelles et scientifiques de l'Université Wali-Mundin. Il est constitué de membres du bureau, membres actifs et adhérents, tous contribuant au développement du club. Donc, on porte 6 départements: département de communication, département design, département ressources humaines, département relations intérieures, département relations extérieures, et au final, département événements et formations. De communication consiste à élargir la visibilité du club via les réseaux sociaux en promouvant nos activités, que ce soit des événements, des formations et aussi des sorties sur terrain. Tout ça en gardant une bonne interaction avec notre communauté. Le rôle du département design est d'augmenter le potentiel créatif du club en préparant des vidéos et des affiches pour nos réseaux sociaux, ainsi que des banners et des flyers, tout en s'appuyant sur la créativité et l'originalité. Donc cela contribue à faciliter la communication avec notre communauté. Le département des ressources humaines consiste à évaluer les besoins actuels des membres actifs du club, mais aussi l'analyse des activités de chaque département, ainsi que le recrutement des membres actifs selon leurs compétences, la prévention et gestion du stress, ainsi que prévention et gestion des conflits, ainsi que la gestion des relations sociales, font partie des tâches du département des ressources humaines. Le département des relations intérieures, c'est le département responsable de garder contact et les liens entre les clubs de l'université et ainsi que les enseignants pour les inviter lors des événements et pour d'autres activités. Le département des relations extérieures est chargé d'assurer la collaboration avec toute personne morale ou physique en dehors de l'université. En ce qui concerne le département des événements et formations, notre rôle, c'est d'organiser tout type d'événements, séminaires, salons ou expositions, afin de renforcer les liens existants entre le club et les étudiants. En plus, nous proposons des formations qui facilitent la compréhension de la théorie et qui offrent aux étudiants l'opportunité de pouvoir approfondir leurs connaissances et mettre en avant leurs compétences techniques et informatiques. Le club à but non lucratif aide les étudiants à se développer et à avoir une meilleure insertion professionnelle en leur offrant plusieurs activités telles que des formations, des webinaires ou d'autres événements. Tout ça en favorisant le travail d'équipe, en renforçant aussi leurs connaissances acquises durant leur cursus universitaire, à développer aussi leur sens de communication et de responsabilité.